c'est dans des bonbonnes de gaz que les trafiquants avaient dissimulé la drogue. Le plus fort, c'est que cette voiture roulait réellement au gaz avant d'être aménagée. Ces bonbonnes, c'est bonbonnes qui marchent. Cette voiture, elle peut marcher au gaz. Enfin, elle pouvait marcher au gaz. Elle a marché au gaz avant qu'il y ait la cache aménagée qui soit faite. On a vu qu'il y avait des coupures au niveau du plancher à ce niveau-là. Donc, l'accès à la cache se faisait par le haut. Et pour que cette cage soit la plus discrète possible, les trafiquants n'ont pas hésité à refaire totalement le plancher de leur voiture. Ces deux plaques, elles étaient ressoudées par le point de soudure, on les a soulevées. Les trois bouteilles de gaz étaient refermées, donc là on a eu qu'à les démonter et on est arrivé à la marchandise de fraude. Combien vous avez découvert dans cette voiture ? Un peu plus de 110 kg de résine de cannabis.